Dans cette vidéo, nous allons parler de coordonnées de vecteurs. Donc d'abord, nous allons définir ce que sont les coordonnées d'un vecteur dans une base. Donc une base du plan. Donc une base du plan est un couple IJ, donc vecteur I, vecteur J, formé donc de deux vecteurs non nuls qui n'ont pas la même direction. Donc une base du plan, c'est un couple de deux vecteurs non nuls qui n'ont pas la même direction. La base va être dite orthonormée. Donc la base va être dite orthonormée dans le cas où les vecteurs I et J ont des directions perpendiculaires et ont pour norme une unité de longueur. Donc on a dit base orthonormée, direction perpendiculaire et de norme 1. Donc maintenant qu'on sait ce qu'est une base, on va dire soit IJ une base orthonorme. Pour tout vecteur U, il va exister un unique couple de nombres x, y, tel que le vecteur U va se noter x fois le vecteur I. Donc x fois le vecteur I. Plus y fois le vecteur j. On dit alors que U a pour coordonnées x, y. Que je note en colonne. Donc on dit que U a pour coordonnées x, y dans la base IJ. On va appeler x l'abscisse et y l'ordonnée du vecteur U. Donc comme pour les points, on va avoir des abscisses et des ordonnées. Donc l'ordonnée du vecteur U. Voilà. Donc maintenant, on va parler de coordonnées de points et de vecteurs dans un repère. On va poser I, donc on va poser le vecteur I, on va dire que c'est le vecteur OI. Donc, regardez tout de suite. Donc, on va dire, donc on va faire comme ça. Donc là, vous avez un repère orthonormé, vous le savez. Donc maintenant, on va prendre le vecteur OI. Et cette fois, on va décider de l'appeler. Le vecteur I. Donc. Donc on va l'appeler le vecteur I. Et on va faire la même chose. On va prendre le vecteur OJ. Et on va décider du coup de l'appeler le vecteur J. Mais du coup, maintenant qu'on a défini le vecteur I et le vecteur J, on n'a plus besoin de noter dans ce repère le point I ni le point J. Donc maintenant, nous avons un repère
toujours OIJ, mais cette fois on va se servir des vecteurs. L'intérêt de ça, c'est que ça nous donne directement le sens. Donc voilà. Alors maintenant, on va voir quelles sont les coordonnées du vecteur OI. Ben, vous voyez que on va faire d'abord le déplacement horizontal, puis le déplacement vertical. Et ben, on fait un déplacement horizontal de une unité et on ne monte pas verticalement. Donc j'expliquerai tout à l'heure plus précisément comment on fait. Donc les coordonnées du vecteur OI, je vous les donne directement. C'est on se déplace de 1 horizontalement et de 0 verticalement. Et J, et le vecteur J, on va se déplacer, c'est de 0 horizontalement et de 1 verticalement. Ainsi, on obtient maintenant un nouveau repère orthonormé qu'on va noter O, point virgule, et la base IJ. Donc formé d'un point O, d'une base orthonormée IJ. Remarque, les coordonnées du vecteur U dans un repère OIJ sont donc du coup celles du point M tel que OM égale le vecteur U. Alors pour l'instant, ce n'est peut-être pas très clair. Vous allez voir avec un exemple que ça va vite s'éclaircir. Du coup, pour tout point M du plan, le couple coordonné de M, donc le couple coordonné de M dans le repère OIJ, c'est le couple XY tel que le vecteur OM est égal à, donc je l'ai écrit tout à l'heure, comme on a OM égale le vecteur U, on va avoir OM égale XI plus YJ. On va encore avoir X l'abscisse et Y l'ordonnée du point M dans le repère OIJ. Donc, autrement dit, ça signifie quoi? C'est exactement ce qu'on avait donné dans le chapitre généralité sur les fonctions. Je vous avais dit que pour un point M, vous aviez ici la X et ici Y. Donc, vous avez un point M quelconque ici. Donc, l'abscisse du point M, vous le connaissez. Hein, c'est ici, comment on le lit? Ben, on fait 1, 2, 3, 4. Et en fait, on peut dire aussi que c'est 4 fois. Donc, c'est 4 fois le vecteur I. Donc, c'est 4 fois le vecteur I plus 1, 2, 3,5 fois le vecteur J. Puisque c'est bien ce déplacement-là que vous faites. Là, vous faites bien 4 fois finalement le déplacement I plus 3,5 fois le déplacement J. Donc, ça revient exactement au même. Propriété numéro 4. Alors du coup, on vous dit, la notion de vecteur permet de représenter une translation par les coordonnées du vecteur associé dans un repère. Propriété numéro 4. Vous allez prendre A, dont les coordonnées, vous allez dire, X sont XA, YA. Vous allez prendre le point B, de coordonnées XB, YB. Deux points du plan dans un repère OIJ. Eh bien, on va vous dire que le vecteur AB a pour coordonnées, alors regardez bien comment je vais le noter. Je vais d'abord mettre les coordonnées du point B en colonne. Donc les coordonnées du point B, c'est XB, YB. Moins les coordonnées du point A. Et je vous conseille vraiment d'apprendre de cette manière-là la façon de calculer des coordonnées de
vecteur. Vous mettez d'abord les coordonnées du point B, puis les coordonnées du point A si le vecteur s'appelle AB. On va faire une application directe. Soit 4 points, donc le point A de coordonnées 1, 2, le point B de coordonnées 4, 3, 4, 4, le point C de coordonnées 2, 1, et le point D de coordonnées 5, 3. Donnez les coordonnées du vecteur AB. Donc on va faire le calcul et je vous montre comment on fait ce calcul-là. Donc les coordonnées du vecteur AB. Il n'y a surtout pas de signe égal. Donc vous ne mettez pas de signe égal entre AB et les coordonnées. Vous mettez d'abord les coordonnées du point B. Les coordonnées du point B sont 4, 4. Ensuite, vous mettez moins, moins, puisque vous savez que vous avez moins au centre. Et ensuite, vous mettez les coordonnées du point A. Donc 1 ici et 2 ici. Et vous écrivez soit les coordonnées du vecteur AB. Vous faites les calculs. 4 moins 1, ça fait 3. 4 moins 2, 2. On vous demande de faire la même chose avec le vecteur CD. Alors, je vais me servir de ce modèle-là. Donc, CD. Si vous avez bien compris, on prend d'abord les coordonnées de l'extrémité, donc du point D. Donc d'abord 5, puis 3. Moins, moins les coordonnées du point C, 2, 1. Après calcul, 5 moins 2, ça fait 3. Et 3 moins 1, 2. On remarque ici que les deux vecteurs sont égaux. Donc là, on l'a fait par le calcul. Donc, nous avons calculé les coordonnées par le calcul avec cette formule. Voyons voir comment on peut calculer les coordonnées graphiquement. Donc, je vais reprendre ça. Alors, pour l'instant, je ne vais pas me servir de ça. Et donc, on va calculer, on va placer les coordonnées des points de l'énoncé. Donc, le point A, ses coordonnées sont 1, 2. Donc le point A, ses coordonnées sont 1, 2, donc 1 ici et 2, 1, 2. Donc faites bien attention à l'unité. Ensuite, les coordonnées du point B sont 4, 4. Donc vous avez ici 1, 2, 3, 4. Et donc 1, 2, 3, 4. Vous avez ici le point B. Le point C, ses coordonnées sont 2, 1. Donc 1, 2 et 1. Et pour terminer, le point D, ses coordonnées sont 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Alors j'ai dû me tromper quelque part. On recommence. Donc j'ai dit 5, 3, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, c'est mieux. Donc vous avez le point D qui est ici. Donc on remarque qu'on a un parallélogramme, donc on peut se douter que les vecteurs sont égaux. Alors maintenant, comment on lit graphiquement? Donc, comment on lit graphiquement les coordonnées des coordonnées de vecteurs? Eh bien, on part de l'origine. Donc, on part de l'origine de ce vecteur et on fait le déplacement horizontal en premier. Le déplacement horizontal, c'est ce déplacement-là. Et donc, on compte le nombre d'unités, pas de carreaux. Donc on compte le nombre d'unités. Vous avez ici une unité, deux unités, trois unités. On est au niveau du B. Donc l'abscisse, c'est 3. Donc on a fait 3 fois le vecteur I finalement. Et on lit. On fait ensuite le déplacement vertical. Vous avez une unité,
2 unités. Donc les coordonnées sont bien 3, 2. Je recommence avec le vecteur CD. On fait d'abord le déplacement horizontal. Vous partez de C, vous faites, du coup, vous regardez le vecteur I. Donc, une fois, deux fois, trois fois, je suis au niveau de D. Donc maintenant, je dois monter pour arriver à D, donc ça sera positif. 1, 2. Vous avez donc bien graphiquement les coordonnées de CD sont aussi 3, 2. Donc voilà comment on fait par le calcul et graphiquement. On va conclure en faisant l'algorithme pour trouver les coordonnées d'un vecteur AB. Pour ce faire, on vous demande donc de faire un algorithme permettant directement d'avoir les coordonnées du vecteur AB. Donc pour ce faire, on a besoin des coordonnées du point A, voilà comment ça s'écrit, et des coordonnées du point B. Donc cette flèche avec un point d'interrogation va demander à l'ordinateur de saisir l'abscisse du point A, saisir l'ordonnée du point A, etc. Ensuite, on va prendre deux nouvelles variables que je vais appeler x, y, qui va finalement correspondre à l'abscisse du vecteur AB et y pour l'ordonnée du vecteur AB. Donc du coup, l'abscisse du vecteur AB, pour faire le calcul avec les coordonnées du point A et du point B, vous avez donc du coup XB moins XA. Donc l'ordinateur va faire le calcul XB moins XA, quelle que soit la valeur de XA, XB que vous avez donnée au départ. De la même manière, vous faites ici YB moins YA. Et en sortie, vous allez écrire du texte au départ, donc vous allez dire afficher, donc en texte, c'est ça que je le mets entre guillemets, les coordonnées de AB sont, vous ouvrez les parenthèses, vous fermez les guillemets, ça veut dire qu'on n'est plus dans le texte. Ensuite, on sépare par une virgule, donc on sépare par une virgule, et vous donnez les coordonnées de X. Donc vous donnez ensuite les coordonnées de X. Ensuite, donc les coordonnées calculées ici. Donc ça ne va pas afficher x, hein, puisque je n'ai pas mis de guillemets entre x, ça va donner le résultat de ce calcul-là. Ensuite, on a besoin encore de texte. Pour mettre dans les coordonnées, vous avez un point virgule. Donc vous mettez ici, entre guillemets, un point virgule, vous fermez les guillemets, ça vous donne comme ça le point virgule. Vous mettez virgule, vous mettez le y, qui vous donnera le résultat calculé ici. Puis vous terminez par des parenthèses. Ça vous donnera ici le résultat. Ça vous donnera ici le résultat des coordonnées de AB en ligne. Alors, dans certains cours et manuels, vous verrez les coordonnées d'un vecteur en ligne. Moi, j'ai décidé de les faire en colonne, comme très souvent dans vos études supérieures. Et ça permet aussi de séparer les coordonnées de points et les coordonnées de vecteurs. Alors, quelques petites remarques. Faites attention ici, je vous ai dit, vous avez tout le temps en moins. Vous avez tout le temps en moins dans la formule. Imaginons ici, et je vais le faire ici, qu'on veut calculer, donc je vais dire soit E de coordonnées moins 2, 3 et F de coordonnées 2, 5. Je vous demande de calculer EF. Donc, c'est-à-dire donner les coordonnées du vecteur EF. Ben, on va faire le calcul. Donc, je vais prendre ce modèle-là. Je vais mettre ici EF. J'enlève ici et j'enlève ici. Donc on met d'abord les coordonnées du point F. Donc ici on a 2, 5. Vous mettez moins ici, vous mettez moins ici et vous mettez les coordonnées du point E. Alors les coordonnées du point E c'est moins 2, 3. Donc vous remarquez ici que vous avez moins moins 2.
Ah, vous pouvez décider, au lieu d'écrire 2 moins moins 2, vous pouvez décider d'écrire directement 2 plus 2. Donc changer le moins en plus, puisque moins moins 2, ça fait plus 2. Et donc là, vous avez comme coordonnées 4, 2. Donc voilà, en tout cas, je tenais à faire cette remarque car elle était importante. Et pour terminer sur les coordonnées de vecteurs, on va vous dire que deux vecteurs sont dits égaux si et seulement s'ils ont les mêmes coordonnées. Autrement dit, si vous avez un vecteur U dont les coordonnées sont x, y et un vecteur V dont les coordonnées sont x', y', on va dire que les deux vecteurs U et V sont égaux, équivaut à la valeur de x doit être égale à la valeur de x', et la valeur de y doit être égale à la valeur de y'. Donc bien comprendre que deux vecteurs sont égaux si ils ont finalement les mêmes coordonnées. C'est ainsi que se termine cette vidéo.